Systématisation du C'est domaine. combien d'hectares? C'est un domaine de 60 hectares. Deux GPL. Oui. Voilà un peu. Et actuellement, nous sommes au site d'exploitation. Il est limité par la grande voie. On ne sait pas trop quand on va progresser. On va voir que le centre a quelques unités d'orcherie, étable et de verger, autour des apprenants, des magasins, des salles de formation, une cuisine et une salle polyvalente. Et un jour de partage. Là, à l'extrême, Oh, c'est ouvre la piste. la capacité d'accueil de votre toit, là, c'est combien? 100. Ah, après, vous en avez que 28. On a fait. Bon, nous avons également, pour énumérer quelques difficultés et que vous avez tantôt soulevé, le domaine n'est pas profilé. Il n'a pas de tige foncier. L'absence d'électricité pour les apprenants et tout comme pour le fonctionnement de l'administration. Il y a l'insuffisance d'eau, pas pour la boisson, mais pour les institutions, notamment en production maraîchère. Il y a l'absence de statut des formateurs. Et les kits d'appui pour les jeunes sont absents ou incomplets, ce qui handicape vraiment l'installation après la formation. Et il y a l'absence de partenaires pour l'accompagnement des jeunes formés. Et l'équipement, le matériel, les engins sont déjoués ou insuffisants, ce qui fait que même au niveau de la mécanisation, on n'y est pas. Les jeunes sont obligés d'aller sur des sites privés pour avoir certains modèles, ce qui n'est pas intéressant. Le centre devrait être un modèle de référence par rapport à la mécanisation. Nous avons énuméré aussi la réclusion des travaux inachevés, tout ce qui, malgré le budget limité de l'État, si tout ce qui était dédié au centre était exécuté, on aurait un autre visage. Notamment, l'aménagement, goutte à goutte, a été annoncé, mais ça n'a pas tenu lieu, c'était en 2021. C'est pas pour faire un procès. Bon. Bon, ça, ce sont des éléments que vous pouvez transmettre après, à travers des Jifoumé. On est venu pour la visite, mais déjà, ce que je voulais dire, c'est quoi? 2024, c'est 992 millions de francs CFA investis dans les secours. Ouais. Déjà, le fait que je vienne trouver que nous sommes en pleine campagne humide et que sur un potentiel de 100 lits, vous avez 28 places occupées, là, je ne suis pas d'accord. C'est en campagne humide que vous devez profiter de la campagne pour prendre le maximum de jeunes. Donc, c'est bien de poser des préoccupations, c'est bien de demander des investissements, mais déjà ce qui est à votre disposition, il faut pouvoir exploiter ça dans sa plénitude. Donc, il faut déjà prendre les dispositions pour que la campagne sèche qui va bientôt démarrer là, que je ne vienne pas trouver que le centre là, sur les 100, la capacité de 100 lits, qu'il n'y ait pas 100 après. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les CPE. Et nous allons lancer bientôt un programme de formation de 100 000 jeunes au métier agro-pastoraux. C'est sur les CPR que nous voulons nous appuyer. C'est pas sur autre chose. Et c'est pas pour rien que nous avons choisi de les réhabiliter, de faire en sorte d'investir le maximum. Poser des problèmes, c'est juste, mais il faut pouvoir exploiter ce qui existe. Voilà. Donc, il faut voir ça avec la DGFOMER pour que ces questions-là puissent être réglées. Parce que 28 occupés sur 100, ça déjà, bon, c'est pas acceptable. Site d'aménagement sommaire de 20 hectares entièrement fait par des dames et des hommes. Au total, sur ce site, nous avons 118 producteurs et productrices, dont 108 femmes, en majorité des dames, qui se sont données ici pour faire des travaux communautaires pour avoir le résultat que nous avons ce matin. Nous pouvons dire que nous sommes à un très bon stade, une très bonne physionomie de la campagne. Au centre-est, la campagne humide se passe très bien. Les plants, comme vous l'avez vu derrière moi, nous sommes au stade d'initiation paniculaire et nous attendons en tout cas à une moyenne de rendement de 3,5 tonnes à 4 tonnes à l'hectare sur ce site-là. Donc vous conviendrez avec moi que cela peut en tout cas suffire à l'alimentation et la nutrition de ces populations-là et même engager sur le marché. Donc c'est une initiative qui a été lancée par le premier responsable du département de faire 10 500 hectares dans le Burkina Faso,
de façon sommaire, elles ont bénéficié de labour entièrement gratuit, d'intrants agricoles, semences, engrais et l'accompagnement technique du réseau d'encadrement du service départemental de Garango. On remercie le ministre, on remercie aussi l'ensemble, tous ceux qui sont déplacés pour venir ici, on les remercie tous. On remercie aussi le président Ibrahim Traoré. Si ce n'est pas cette année, en tout cas, nous, labour gratuit, engrais et puis semences, tout et tout, bon, on n'avait pas eu ça. Cette année, on a eu ça. Donc, on les remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. On ne sait même pas quoi dire après ça. Oui, une appréciation générale, je pense que c'est une journée comblée pour nous. C'est une journée telle que on aime les voir parce que, comme je l'ai dit souvent, l'État a consenti beaucoup d'efforts au cours de cette année pour apporter divers soutiens aux producteurs. Nous avons également fait passer un message aux producteurs, aux différents acteurs du secteur agricole, aux agents du ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales. Et tout le monde, cette tournée-là nous donne, en tout cas, l'impression que tout le monde a compris notre message, tout le monde a compris la vision de son excellence, le président du FASO. Et cela est important pour nous, parce que c'est par cette voie-là que nous allons atteindre la souveraineté alimentaire. Et nous avons aménagé plus de 10 000 hectares avec l'accompagnement des populations et des agents du ministère de l'Agriculture. C'est inédit et en termes d'équivalent, si nous allons le faire avec l'accompagnement du secteur privé, notamment les entreprises, sur un montant d'à peu près 4 millions d'hectares, vous évaluez à peu près ce que ça nous aurait coûté. Mais là, nous avons pu le faire juste en accompagnant les agents avec du petit matériel, avec du carburant. Et les populations se sont engagées, et elles sont déterminées, elles ont apporté ce qu'elles peuvent apporter. Et toutes catégories sociales confondues, les hommes comme les femmes et les jeunes, et cela a donné le résultat que vous voyez. Nous attendons un accroissement significatif de plus de 20% de la production nationale. Et cela est normal du fait des efforts qui ont été consentis par le gouvernement. Et je pense qu'au regard de ce que nous, au vu de ce que nous observons sur le terrain, nous pensons que nous allons atteindre un accroissement qui aille au-delà de 25-30% de l'ensemble des rendements au cours de cette campagne humide. Donc c'est un bilan globalement satisfaisant. Donc quand on est à Yametouma, hein, ici là aussi c'est vous qui avez fait. Oui. Vraiment c'est bien. Oui. Moi je suis content de vous. Hein? Voilà, il faut continuer comme ça. Hmm? L'année prochaine, il faut faire plus grand, plus grand, plus grand que ça. Hein? Vous avez compris? Les hommes là, bon, nous on vous regarde maintenant. Hein? FASO 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.